think asking me my body count is the quickest way to talk yourself off some coochie. Because I absolutely am not giving it to you after you ask it. And this weird obsession with having a low number doesn't make sense to me. Because, like I said before, at the end of the day, do you want a surgeon who's only done one surgery? Nope. No, you don't. You want a surgeon with experience, yes or no? So when you ask these women what's their body count, you're looking for someone who has a low one, and then all you're going to do is run back and tell your homies about how she can't suck dick, how she can't arch her back, how she can't do X, Y, and Z. Why? When you can have a woman who knows what she's doing is going to be able to please you. So can we stop this whole weird obsession with the low body count? It's not real. It's not sustainable. You don't really want that. Well, you don't. We're going to tell the truth because we talked about it. Well, not for nothing. It's not. Listen, I'm going to say this. I said this once before. I'm going to say this again. It's y'all fault. What did we do? Y'all lied about y'all numbers and made us think it was real. I've never lied about numbers. Well, I'm just saying, if women did not lie about their number, and whatever number is y'all have real average, it would be more acceptable for us. But when we heard three, when we heard three all our life, when you say seven, it's a little shock. Elle est marrante, hein? Non, mais à chaque fois que j'entends des inepties comme ça, tu vois, je me dis... Et c'est pas genre j'essaie de ridiculiser, genre elle a un argument profond et j'essaie de le ridiculiser pour pouvoir prendre le dessus du débat. Non, c'est que là, elle est complètement dans le faux. On fait comment? C'est incroyable. En fait, tu peux pas obliger, je sais pas moi, un chat à aimer un certain type de lait si jamais elle aime pas. C'est lui le consommateur. Donc toi, tu veux dire au chat, non, ça, c'est ça que tu dois aimer. Bois, c'est ça. Même si tu n'aimes pas, c'est ça. La vie n'est pas aussi simple, la vie n'est pas comme ça. Donc oui, le nombre de partenaires qu'une femme a, c'est important pour un homme depuis la nuit des temps, ça a toujours été. Voilà. Vous avez voulu faire un nouveau test avec l'arrivée du féministe qui ont dit, ouais, bah, allez-y les filles, liberté sexuelle, seul Dieu peut vous juger, faites ce que vous voulez, votre corps, là on est bon. Mais finalement, les hommes n'ont jamais changé, n'ont jamais bougé depuis des millénaires. Donc, je sais pas ce que vous voulez. Ouais, mais on comprend pas les hommes. Pourtant, on n'a pas changé. Les hommes d'avant veulent les mêmes choses que les hommes d'aujourd'hui. Hein, ce qui est complètement différent pour les femmes. Donc, le nombre de partenaires est important pour les hommes, pour la femme avec qui il se voit dans le futur avec elle. C'est-à-dire avec la femme avec qui il souhaiterait peut-être potentiellement se marier, avoir une relation long terme. Après, là où je la rejoins, que je suis d'accord, c'est que pour une relation court terme, savoir le nombre de partenaires que tu as eu, bon, c'est pas nécessaire, on s'en fiche. C'est juste pour un soir, c'est juste pour un mois, bon, ça n'a aucun intérêt. Déjà, je comprends même pas le principe de demander le body count, là, enfin le nombre de partenaires, excuse-moi. En anglais, ça veut dire 10 body count, en anglais, on pourrait dire nombre de partenaires. Je vois pas à quoi ça s'en demander, parce que de toute façon, la meuf, elle va jamais te dire la vérité. Et de toute façon, dans ses habitudes, si tu as l'expérience et que t'es pas aveuglé juste par sa beauté, tu devrais voir en fonction de comment elle agit, ses habitudes, ses relations avec les hommes, comment elle est, tu vois si jamais she's for the street ou pas. Donc pour revenir à son analogie avec le chirurgien, pas mal. Pas mal, je sais qu'il y en a qui étaient là, ils regardaient la vidéo, quand elle a sorti le truc du chirurgien, elle a dit, bah oui, toi tu recherches un chirurgien qui a de l'expérience. Je sais qu'il y en a qui ont fait, peut-être qu'elle a raison. Et là, tu t'es pris la douille. Et là, tu t'es pris la douille. À ce moment-là, Géraldine, si jamais on recherche un chirurgien qui a de l'expérience, donc ça voudrait dire qu'avant de te marier, bah, couche avec le maximum de gens possible. Couche avec toute la ville, tous les hommes de la ville, et le dernier homme, eh bah, tu te maries avec lui. Voilà. Donc le gars avec qui tu veux te marier, tu dis « Attends, bouge pas, j'ai besoin de plus d'expérience. Je vais coucher avec toute la ville et après… » Tu seras le dernier, c'est toi qui auras la fève, c'est toi qui auras gagné. Tu seras le king de la ville. Parce que j'aurai grave de l'expérience. Parce que moi, je préfère un chirurgien qui a vraiment de l'expérience de ouf. Hein. Plus il a opéré, mieux je suis. Hein? Donc non, Géraldine, ça ne fonctionne pas. Bien essayé. Mais non, ça ne fonctionne pas comme ça, non. Si tu veux faire une analogie, on partirait plus plutôt sur un actif qui se dévalue avec le temps. Plus il est utilisé. Hein, par exemple, une voiture. Oh, comment elle ose nous comparer à des voitures? Tu ne veux pas entendre, tu ne comprendras jamais de toute façon. Plus une voiture a été utilisée, plus elle perd en valeur. Hein, en tout cas, c'est comme ça que les hommes vont voir une femme qui a plusieurs partenaires. Plus elle en a, ben, plus sa valeur elle diminue. Ouais, mais c'est inadmissible, ça ne devrait pas être comme ça. Entre ce qui devrait être
et ce qui n'est pas. Moi aussi, j'aimerais bien dire, les choses ne devraient pas être comme ça. Ça devrait être facile pour les hommes de pouvoir gérer des bombasses, voilà, par exemple. Ça devrait être facile. Ouais, bah ben, ça l'est pas. C'est pas comme ça. Donc, j'ai jamais compris ce truc de « ça devrait être !» Non, c'est pas « ça devrait être », il y a une réalité, on vit dans la réalité. Hein. Il y a que certaines femmes qui peuvent se permettre de dire des trucs comme ça « ça devrait être !» Comment ça, ça devrait être? Tu vis dans une fantaisie ou quoi? Non, nous les hommes, on est terre à terre, on n'a pas le choix de toute façon. Il n'y a pas de « ça devrait être », on doit faire ce qu'il faut faire pour pouvoir avoir les résultats que l'on veut dans notre vie. Donc non, il n'y a aucun gars qui va arriver chez le concessionnaire qui va dire « tu sais quoi, je veux la voiture qui a le plus de kilomètres. » Ah, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Voilà. Personne ne fait ça. Non, tu vas chez le concessionnaire. Si tu as les moyens, tu essayes de prendre la voiture ben, neuve, hein, si tu peux. Hein, tu fais en fonction de ta bourse. Hein. Et si jamais tu prends une voiture d'occasion, hein, comme j'ai fait souvent, eh ben, tu prends une voiture d'occasion, mais qui est la plus récente en fonction de ton budget. Ah, voilà. Du bon sens. Donc, bien sûr, Géraldine, c'est pas du tout une femme à marier. Hein, tu as bien compris. Hein. Là, elle veut juste justifier le fait d'avoir fait toute la puterie qu'elle voulait faire et en plus vouloir avoir les avantages d'une femme qui se serait conservée ou qui aurait en tout cas fait attention à sa réputation pour avoir un homme digne de soi ou pour avoir accès à un homme, pouvoir se marier, avoir des enfants, etc. Donc non, ça peut pas fonctionner comme ça. Tu ne peux pas faire la puterie constamment dans ta life et puis après espérer que le high value man que tu veux, l'alpha que tu veux, le 10%, le 10 à 1% des hommes que tu veux, disent « ah ben chouette, c'est vrai que chirurgien, plus d'expérience, on n'avait pas pensé à ça. » C'est vrai. Non mais là, dans sa tête, elle croyait qu'elle était trop maligne. Là, elle s'est dit « je les ai pliés. Là, c'est bon. » Donc évidemment, ce genre de femme, c'est à fuir à part pour récréation, hein, à part pour court terme, hein, évidemment. Mais on ne change jamais une bêche, la puterie, en une épouse. Ça ne fonctionne pas. Hein. Quand je dis une épouse, c'est la qualité d'une épouse. Ça ne fonctionne pas. Donc, en tout cas, les gars, si jamais tu veux aller plus loin avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer un hack. Regarde quand même. Voilà, tu connais déjà. Et ceux qui veulent aller plus loin avec moi, tu as Zion, groupe de 10%. Check ça dans la description, je t'explique comment ça se passe. Et les gars, on lâche rien et on reste déterminé. Il y a eux et à nous, je suis à ton camp.